ne dois rentrer avant que notre travail soit terminé. Vous n'êtes pas encore. Mais je ne vous obéirai pas. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière et je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie d'Evanessor. Bonsoir ou bonjour, je ne sais plus. Bonjour à toi Eva, comment vas-tu? Bonjour Malia, bah, ça va très bien et toi? Ravi de te retrouver pour cet épisode qu'on a promis depuis assez longtemps malgré tout. Hein. Exactement. Et alors justement, par rapport à cette vidéo, elle risque d'être un petit peu longue puisque ça va pas être une histoire d'un héros avec quelque chose vraiment où on va conter une histoire. Ça va vraiment être une discussion, une sorte en fait de discussion argumentée avec malgré tout donc un rappel de différentes choses, mais surtout enfin vraiment une discussion. C'est pas un débat parce que on est d'accord sur un sujet, on a des arguments et disons que c'est quelque chose qui est, je dirais, une histoire ouverte qui pourra s'avérer vraie ou fausse à l'avenir, on va dire, et qui va revenir sur des éléments qui ne sont pas forcément bien compris. Donc je dirais que ça, on va un peu décortiquer le tout, le fond. C'est ça, c'est faire un rappel aussi des choses, puisque le principe, alors dans le titre de la vidéo YouTube évidemment ça c'est marqué, mais en l'occurrence le but ici c'est tout simplement de faire un rappel de ce qu'est le roi Lich, de ce qu'est le fléau, et de considérer que la mort est une thématique qui a toujours été très importante dans l'univers de Warcraft, et qu'une extension prochaine de World of Warcraft pourrait totalement être centralisée, on va dire, être centrée sur la mort. Alors je sais, par rapport à ce qui se passe dans BFA, etc., là je vous vois déjà venir, mais en mode, mais non, c'est le vide, blablabla. On sait que Blizzard, en fonction du succès de World of Warcraft, prévoit plusieurs extensions, et une des thématiques qui est quand même assez importante dans BFA, qui a toujours été un petit peu importante, et avec le succès de Légion aussi, faut pas l'oublier, avec un retour d'un personnage très important, Illidan, les deux personnages les plus bankable de chez de Warcraft, c'est quand même Arthas, enfin c'est Illidan et Arthas. Donc un retour de la mort en tant qu'extension, une espèce de Wrath of the Lich King 2.0, comme Légion avec Burning Crusade 2.0, est tout à fait possible. Et pour ceux qui ont joué à BFA, il y a quand même clairement des ponts qui sont un petit peu disséminés ça et là pour nous teaser un petit peu de la mort. Donc oui, il y aura probablement quelque chose sur le vide, mais il est possible, je dis bien possible, qu'on ait quelque chose sur la mort. Donc Eva, ça serait
potentiellement intéressant de refaire un point aussi sur tout ce qui concerne le roi Lich. Bah, c'est ça, en fait, la question de savoir est-ce que ce sera une extension ou ce sera juste un gros patch. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a clairement, comme tu l'as dit, des ponts tissés, il y a vraiment des ouvertures. Mais avant d'expliquer pourquoi on reviendrait donc sur Arthas, sur la mort, etc., pour pas que ça sorte de nulle part, on va revenir à la source, bien vous expliquer qu'est-ce que le roi Lich et jusqu'où il est arrivé dès à présent. Je pense qu'on peut commencer comme ça. Exactement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un peu le choix de prendre une intro particulière, puisque c'est la fin de Frozen Throne. Donc vous l'avez bien entendu, on va rappeler quand même certaines choses concernant le roi Lich. Mais bien entendu, il y a des vidéos plus détaillées sur Warcraft 3, les événements de Warcraft 3, Reign of Chaos et Frozen Throne dans les vidéos qui le concernent. Il y aura, parce qu'à l'heure actuelle elle n'est pas encore tournée, mais peut-être que d'ici là elle sera ok, celle de Beyond the Dark Portal pour Warcraft 2 et peut-être la guerre de l'araignée aussi. Mais on va faire un point, donc justement comme on le disait, donc l'extension potentiellement dédiée sur la mort, c'est ça qui nous fait on va dire refaire le point, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension ou en tout cas de peut-être parfois d'égarement concernant justement ce qui est le roi Lich, qui est Arthas, etc. Donc on va revenir, enfin qui est Arthas c'est pas vraiment l'objectif, mais rappeler justement qu'est-ce que le roi Lich, Eva, puisque le roi Lich c'est une entité un petit peu particulière. C'est ça. Et beaucoup de gens ont du mal à la base sur ce qu'est précisément le roi Lich. Alors, je sais pas si on peut commencer par parler de lui, mais on va parler évidemment de Ner'zhul. Alors, Ner'zhul, c'est donc un chaman orc dont l'esprit fut implanté dans cet arbre. Alors, il n'a pas été implanté par n'importe qui, c'est par la Légion Ardente qui donc voulait s'en servir comme d'une arme pour affaiblir les races mortelles pour préparer son invasion. Donc, ça. On apparence... parlera davantage, je pense, à dans Beyond the Dark Portal, mais voilà en gros ce que c'est à la base. Sachant que il y a beaucoup de parallèles, évidemment, hein, c'est de l'heroic fantasy, vous avez pas mal de parallèles qui sont tissés et il y a de l'inspiration forcément qui est présente. Et par exemple, vous le voyez avec Icecrown, c'est pas pour rien aussi le fond d'écran, Icecrown, la citadelle de la couronne de glace et même le physique du roi Lich. On est complètement dans l'inspiration, c'est Sauron, vraiment. Le roi Lich, Ner'zhul, c'est la représentation de Sauron. Il a vécu, il a servi les démons, il a été battu, on l'appelle même le grand... Enfin, c'est le nécromancien, hein. Donc il y a vraiment l'inspiration de Sauron pour faire Ner'zhul, et c'est-à-dire le roi Lich. Donc le tout premier roi Lich, c'est Ner'zhul. C'est vraiment l'entité, le roi Lich, c'est Ner'zhul à la base. Et du coup, on peut peut-être aller un petit peu plus loin, justement. Oui. Comme tu le disais, donc... C'est une arme créée par la Légion Ardente, puisqu'il est le catalyseur en fait des morts vivants qu'on va appeler le fléau. Donc c'est tout simplement l'arme qui a été. On le rappelle, la Légion Ardente a raté ses invasions, ses différentes invasions sur Azeroth. Et le nouveau plan, qui du coup est, on va dire, un petit peu travaillé par Kil'jaeden, c'est de retourner, on va dire, une partie du monde d'Azeroth contre elle-même pour préparer l'invasion de la Légion Ardente. Du coup. Qui s'occupe de ça? Un orc qui a échoué justement à ce service-là. Alors, il aurait pu avoir Gul'dan, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas Gul'dan, bien sûr. C'est Ner'zhul, qui a aussi un petit parallèle, un petit passif avec Gul'dan, puisque c'était son ancien maître. Mais on ne va pas rentrer dans les détails inutiles ici. Mais du coup, Ner'zhul devient en fait le grand nécromancien, celui qui dirigera les armées mort-vivantes et qui n'est qu'en fait qu'un pion envoyé par la Légion Ardente. Et il est enfermé justement dans cette couronne de, enfin dans cette prison de glace. Et il est tout simplement, donc c'est, il faut imaginer une âme, c'est l'âme d'un orc qui est complètement encastré dans une armure. C'est ça, qui elle-même est emprisonnée dans un bloc de glace, sommée sur le toit du monde en fait, dans un endroit où tout simplement les races mortelles n'iront pas forcément le chercher, où il peut étendre ses pouvoirs psychiques et principalement nécromantiques pour relever tout simplement les morts. Parmi les vivants. Qui vont former tout simplement ce qu'on appelle le fléau, donc tous ces morts qui sont au service du roi Lich. Et le truc, par contre, c'est que Ner'zhul, il est pas... Alors bien sûr, il a été... faut bien comprendre que pour passer d'un orc à un esprit, il a été en gros pendant des... Parce qu'il faut imaginer que le temps dans le néant d'Histoire ne s'écoule pas comme dans notre... enfin, comme dans le monde de Warcraft classique. Et du coup, eh bien, il a été torturé, il a été tué, ressuscité. En gros, il a pris des tortures absolument inimaginables pendant
des centaines et des centaines d'années, sauf que dans notre monde, ça n'a duré que une quinzaine d'années, c'est ça, hein, quelque chose comme ça. Exactement. Il se passe à peu près une quinzaine d'années, enfin, entre la fin de la Deuxième Guerre et le moment où le pic de glace atterrit sur le continent gelé où Ner'zhul est sous la forme d'un esprit. C'est ça, juste avant la guerre de l'araignée. Donc, c'est pour ça qu'il passe de ça, de cette apparence d'orque, justement, de chaman orque, à l'armure. Ouais. C'est qu'il n'a plus de corps. Il n'est plus que, en fait, c'est une âme qui est enfermée dans un trône et qui est du coup dans l'armure, parce que le trône n'est pas habité par Ner'zhul, c'est vraiment l'armure. Et bien entendu, on connaît surtout le casque, parce que le reste de l'armure ne sera pas réutilisé, c'est surtout le casque, ce qu'on appelle le home de domination. Donc justement, on a parlé de Ner'zhul, on va pouvoir parler de son champion, puisque Ner'zhul, je vous laisse revoir la vidéo de War 3 pour plus de détails, mais tout simplement, dans ses plans, il n'était pas si... Justement, il a quand même une dent contre la Légion Ardente, Eva. C'est ça. Mais à la base, il faut bien se dire qu'il n'était pas consciemment devenu le roi Lich. On l'a soumis, on en a fait un esclave, on en a fait une arme, mais il avait prévu de se rebeller très vite contre ses maîtres, notamment en créant une arme que vous connaissez sous le nom de Frostmourne, de Deuil Givre en français, donc une épée qu'il a formatée lui-même et qu'il allait confier à son champion, Arthas. Malga a largement expliqué l'histoire d'Arthas sur Warcraft 3, je renvoie à sa vidéo, parce que sinon ça nous prendra très long, oui. Énormément de temps. Déjà va être longue cette vidéo, on va pas s'embêter sur Arthas, mais pour faire simple, donc du coup, il a confié cette arme à son champion. Et son champion est venu l'aider lors de son pire moment, parce qu'il a été victime d'un sort jeté par Illidan, je vous ai parlé des détails, qui l'a grandement fragilisé. C'est ça. C'est la Légion qui s'est tentée de se venger de son esclave qui se rebellait. Et pour justement pouvoir le sauver, Arthas est obligé de fusionner avec Ner'zhul. Et c'est la cinématique que vous avez vue au début de cette vidéo. Exactement. Alors un petit rappel quand même, puisque les mots de Ner'zhul dans la vidéo, vous pouvez remettre la vidéo si jamais vous voulez revoir l'intro justement à ce moment-là, mais l'épée fait vraiment partie d'un kit. c'est presque comme si vous achetiez tout un pack dans un magasin, c'est-à-dire que à la base, l'épée avait été forgée donc par des démons, par des Natrezim, donc les seigneurs de l'épouvante, et en l'occurrence les pouvoirs ont été conférés par Ner'zhul. Donc en fait, Frostmourne est une part intégrante de Frostmourne, pardon, est une part intégrante de Ner'zhul. Toute l'armure, on a parlé du home de domination, donc le casque, mais son épaulette, ses épaulettes, etc., son armure, son torse, et Frostmourne, c'est un tout. Tout ça, c'est Ner'zhul. Imaginez que le Frostmourne, c'est le bras, la main de Ner'zhul, le home de domination, c'est sa tête. C'est vraiment, il faut bien comprendre ça. Ce qui fait que d'ailleurs, quand Arthas va récupérer Frostmourne, il va perdre son âme et il va maintenant faire qu'un. Enfin, pas faire qu'un, pardon, faut pas que je comprenne, mais il va tomber. C'est ça. Il va tomber sous la domination de Ner'zhul. Ner'zhul devient son maître absolu et il ne fait qu'obéir à Ner'zhul. Il devient justement en plus le bras armé de Ner'zhul, son champion, comme on le disait. Donc, ça, c'est pour vraiment expliquer. Voilà, Frostmourne, il faut bien comprendre ce que ça représente et c'est pour ça d'ailleurs que. Il dit lui-même, hein, mon maître, c'est Ner'zhul, hein, Arthas. Et donc, on va pouvoir parler de la fin de la cinématique de Frozen Throne et malheureusement de l'arrivée des incohérences entre Frozen Throne, WoW avec le livre Arthas, l'ascension du roi Lich de Christy Golden, et donc ce qui se passe avec Chronicles, ce qui se passe avec Wars of the Lich King. Beaucoup de choses qui sont dites et un petit peu toutes les sources, on va dire, de lore, ainsi que les développeurs et autres, se contredisent, disent des choses vous avez et l'inverse. Énormément de versions sur le sujet. Donc effectivement, la fameuse cinématique que vous voyez, Arthas en fil de casque, et il y a cette fameuse phrase que je te laisse dire, Malga. Nous ne sommes plus qu'un. Donc l'idée serait qu'effectivement les deux esprits ont fusionné, et c'est ce que beaucoup de devs vont mettre en place, vont dire à de nombreuses interviews, conférences pendant très nombreuses années. L'idée, c'est que les deux esprits ne forment qu'un seul et unique être, avec réunissant les deux sources de pensée. C'est ça. Ça ne sera pas le cas dans le roman de Christy Golden. Exactement, les 5 dernières pages notamment, hein, mon cher. C'est ça. Ce livre reprend l'intégralité de l'histoire d'Arthas, de Reign of Chaos et de Frozen Throne, en le paraphrasant un peu. Vous en pensez ce que vous voulez de ce livre. Il a ses qualités, il a ses défauts, mais il y a surtout ces 5 dernières pages
approximativement parlant, qui nous évoque qu'en fait Arthas, ben il n'y a pas que Arthas et Ner'zhul, en fait dans sa tête il y a plus que ça. Je continue du coup, tu veux t'en charger? Vas-y, continue. Moi, c'est un passage difficile, un passage douloureux. C'est ça, j'espère que tu vas pas t'effondrer. Donc, continue. Donc, l'idée, c'est que donc Arthas et Ner'zhul sont dans cette, comme dans une espèce de pièce à l'intérieur de son esprit. Et donc, il y a plusieurs entités. Il y a Arthas, Ner'zhul, et il y a un enfant qui représente en fait la bonté d'Arthas. Et cet Arthas adulte, qui est lui par contre une partie néfaste, mauvaise, et pour fusionner avec Rolish, que nous dit le livre, c'est que Arthas doit se séparer de sa bonté. Donc le Arthas adulte va assassiner sa gentillesse. Donc jusque là on se dit tout va bien, donc du coup après les deux esprits vont fusionner. Mais non, ce n'est pas ça que le livre nous dit. Le Arthas adulte tue la version de Ner'zhul, et en réalité du coup ils n'ont pas fusionné, il ne reste plus qu'Arthas à bord. C'est ça, Arthas tue son innocence. La partie, alors c'est aussi un des problèmes du livre. On va pas faire la critique du livre, mais le problème du bouquin aussi, c'est que Arthas, le principe, il a été créé, il a été designé, il a été. Le principe d'Arthas, c'est un petit peu l'image d'Anakin Skywalker, Dark Vador. C'est l'idée que l'enfer est pavé des meilleures intentions et que justement, pour arriver aux ténèbres, eh bien, il a un bon cœur. En fait, le problème, c'est que la fin justifie les moyens et qu'il a un bon fond, Arthas. Et c'est ce bon fond qui va lui faire faire des conneries et qui vont lui faire passer la ligne, on va dire, la ligne rouge, et qui pourra jamais revenir derrière. Donc c'est ça le principe. Le problème, c'est que le livre a donné l'impression, en fait, que justement Arthas tue sa partie gentille et tue Ner'zhul. Et ça, c'est un énorme problème parce que, malheureusement, par exemple, Wrath of the Lich King, eh bien, au final, la partie gentille qui a été tuée revient. Et au final, avec les dernières extensions, notamment Légion et BFA, on voit que Ner'zhul, on y reviendra plus tard, mais potentiellement n'est pas tout à fait mort. Donc, même pour Arthas, il y a des choses très compliquées. Et on va pouvoir attaquer un autre point qui, dans les incohérences, malheureusement, arrive. C'est tout simplement ce que nous dit Uther dans la salle des reflets. Donc c'est dans l'extension de Wrath of the Lich King, justement, où le livre où Arthas se soulève contre l'Alliance et la Horde, et l'Alliance et la Horde cherchent à abattre Arthas qui, à ce moment là précision du canon, donc est seul dans l'esprit du roi Lich. Ce n'est que lui, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est le Arthas est bien sûr dépourvu de ses émotions. Et donc on nous explique cela, vous ne pouvez vaincre le roi Lich, je lis la citation directement, même si c'est en français, pas ici, essayer serait une folie, il tuera ceux qui vous suivent et les relèvera comme puissants soldats du fléau, mais pour vous, Sylvanas, sa récompense sera encore pire que la dernière fois. Et il dira que effectivement il y a besoin d'un roi Lich, que, comment dire, quelle est exactement la formulation, c'est le monde a besoin d'un roi Lich, que nous dit Terenas, et Uther dit... Il doit toujours y avoir un roi Lich, même si vous parvenez à battre Arthas, il faudrait qu'un autre prenne sa place, car privé du contrôle de son roi, le fléau déferlerait sur ce monde comme une nuée de sauterelles et anéantirait tout sur son passage. Pardon. Nouveau problème, l'idée c'est que on nous dit que si on tue Arthas, le fléau sera libéré et anéantira tout sur son passage. Pour rappel, Arthas à ce moment-là, et seul au contrôle du casque, du homme de domination, n'a plus sa partie gentille, donc il est méchant, et on nous explique que si on le tue, on aura perdu. Mais au final, même en ayant le casque sur sa tête, ça veut dire qu'il ne déchaîne pas les forces du fléau contre l'Alliance et la Horde. Il est seul maître, d'un côté on te dit qu'il est le seul maître à bord, donc qui pourrait totalement déchaîner les enfers, on va dire, sur le monde, et d'un autre côté on te dit qu'il retient son bras, qu'il retient tout simplement cette puissance, parce que, en fait, potentiellement, la partie humaine, on va dire la partie gentille qui est en lui, fait en sorte qu'il ne veuille pas déchaîner les enfers sur le monde. Or, d'un côté, il est censé avoir tué cette partie. C'est ça, il est censé avoir tué cette partie. Alors moi, on y reviendra à la fin sur la théorie, mais moi, sur le papier, ce que je me dis dans ce genre de choses, c'est potentiellement que Ner'zhul voulait dominer tout, ce qui a toujours été le principe de Ner'zhul, si vous avez joué à War 3, etc., vous vous en rendez compte, et que Arthas, justement, aurait essayé de retenir le bras, sauf que, en fait, c'est vraiment pas dit comme ça. D'un côté, et c'est pour ça, attention, parce que je suis sûr que certains vont dire « Mais non, c'est vous qui... »
ce sont des faits. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans les faits. Il y a d'un côté certaines sources qui nous disent « Oui, oui, ils ont bien tué Ner'zhul et Matthias Lerner, du coup, il est le seul maître à bord. » D'un autre côté, au sein même de War of the Lich King, Uther nous fait comprendre Matthias que... Lerner, qui est la partie gentille, d'ailleurs. On n'a pas dit le nom, mais la partie gentille qui s'appelle Matthias Lerner. C'est ça. Donc l'anagramme, on reprend des lettres, on les met dans un autre sens, ça fait Matthias Lerner. Et un nouveau... Alors là, il y a vraiment deux gros points sur lesquels on va revenir. D'un côté, donc le principe avec les incohérences qui font que, bien au final, Arthas est le seul maître à bord, mais en fait non, mais en fait oui, mais en fait non. Et d'un autre côté, on a ce nouveau concept. Si on a pris le début de cette vidéo pour vous rappeler ce qu'est le Roi Lich, qui est le Roi Lich, pourquoi il fait ça, etc., sachant que malheureusement, là je fais une petite parenthèse, mais petit à petit j'ai l'impression qu'on essaye un petit peu de rayer le nom de Ner'zhul, hein, il suffit de lire Chronicles 3, Ner'zhul, on n'en parle plus trop après, donc on a d'un autre côté, si on vous a rappelé que le Roi Lich au final c'est une création assez récente dans l'univers d'Azeroth, même si bien sûr ça a pu durer très longtemps puisque l'âme a été séparée du corps, le corps a été détruit, il ne reste plus que l'âme qui a eu des tortures etc. pendant des centaines, pendant des milliers d'années dans le néant distordu, malgré tout, le Roi Lich dans l'histoire d'Azeroth est très récent, une quinzaine, une vingtaine d'années. Et ça, on t'explique, il n'y avait pas de fléau avant que le Roi Lich arrive. Mais depuis que le Roi Lich est là, il y a forcément le fléau qui peut ravager le monde, qui peut tout détruire. Et si le Roi Lich, qui est une création assez récente, est détruite, les morts vivants seraient déchaînés. Et on a besoin de cette entité, dont on n'avait pas besoin il y a 14 ans. Qui effectivement est une belle reprise hein, d'un scénario, dont j'en parlais effectivement avec Malvinia, qui était sorti à peu près à la même époque. Qui doit vous parler, qui est dans Pirates des Caraïbes 3, où il doit y avoir un capitaine aux commandes du Hollandais volant. Et c'est de ça dont se sont inspirés les développeurs. Exactement. Et c'est malheureusement un... Là, vraiment, on n'est pas loin du copier-coller hein, en termes d'inspiration. Ça pose souci, parce que forcément, au niveau des incohérences, c'est... Ok, ils vont déchaîner les morts, mais alors... En plus, ça a toujours été le principe, c'est que... Souvent dans l'histoire de l'Heroic Fantasy et Warcraft ne dérogeait pas trop à la règle. On le rappelle, mais Sylvanas, quand on parlait, donc c'est les événements de Frozen Throne, mais quand Ner'zhul a perdu de son pouvoir à cause d'Illidan, certains morts vivants ont été libérés de l'influence du Roi Lich et sont devenus la faction des réprouvés. Du coup, au final, si normalement tu tues un nécromancien, bah, tous les squelettes qu'il a invoqués ils sont détruits, ou alors ils sont libérés de l'influence, mais ils ont leur libre arbitre. Là, il y a le principe de déchaînement. Ça fait quand même deux gros morceaux, on va dire, un petit peu particuliers. Alors, est-ce que tu veux qu'on passe à autre chose ou il y a des points sur lesquels tu veux revenir? La question du déchaînement, bah, de toute façon, on y reviendra après sur la question elle-même qui se mord la queue un peu, puisque bah, le Roi Lich qui s'anéantirait, etc. La question, en fait, c'est si les morts ne se plus contrôler, qu'ils anéantissent tout, c'est qui contrôle les morts? C'est ça. Et bah, la question du coup, est-ce que du coup, si on contrôle Arthas, si on tue Arthas, pardon, le Roi Lich, qu'est-ce qu'on fait après? Et ça nous permet d'arriver à la suite, à savoir un remplacement. Exactement, le grand remplacement. On a du coup un nouveau personnage qui apparaît. Alors, je vais devoir le présenter, je prends l'initiative de le présenter, bien entendu. Alors, nous sommes dans des faits. Alors, évidemment, je vais grossir les traits de manière subjective, mais ce sont des faits malgré tout. Nous sommes sur une légende de l'univers de Warcraft. Que dis-je, un personnage mythique, évidemment, un personnage haut en couleur, Bolvar Fordragon, je prends même la peine de le dire en français, Bolvar Fordragon, donc... En anglais c'est comme ça. Oui, c'est vrai, c'est en anglais aussi Fordragon, puisque c'est la petite dédicace à bien sûr, Arthurienne, à la légende arthurienne. En l'occurrence, Bolvar Fordragon... Ce cher Marcus Jonathan, évidemment, donc ce cher personnage qui n'avait absolument qu'un rôle très 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 mineur à WoW classique, et qui, je le rappelle, était tellement puissant qu'il s'est fait mind control, donc il s'est fait contrôler l'esprit par les boobs de Katrana Prestor à Kaonixia. Donc il devait être très très puissant, hein. La lumière devait être de son côté à ce moment-là, parce qu'il s'est fait complètement jambon par un des rejetons de Deathwing. Et au final, eh bien, alors en plus je rappelle, mais à WoW Vanilla c'était un chevalier, hein, ce n'était pas un paladin. Et il est devenu un paladin parce que il fallait être un paladin, c'est pas drôle sinon. Et en l'occurrence, à War of the Lich King, il a gagné un petit peu en puissance, Bolvar. C'est
C'est ça. Il est devenu donc le seigneur régent de l'Alliance en l'absence de Varian et devient le commandant des forces de l'Alliance contre Arthas lors de la guerre qui aura lieu dans Wrath of the Lich King. Et il mènera même l'assaut final théorique contre le roi Lich qui était à Angrathar, le portail du courroux. On va vous on va enlever les péripéties parce que sinon c'est trop complexe, mais pour faire simple, la zone de combat se fait bombarder par la peste. Ça, Donc, les la dragons rouges trahison. arrivent pour brûler, pour un peu, comment dire, vitrifier la zone. C'est ça, Vraiment. empêcher que la peste ne se propage ailleurs et ne fasse plus de victimes, tout simplement. Donc, Et notre cher Bolvar a survécu et il a été capturé par le roi Lich. alors petit détail quand même qu'il faut, j'ai envie de petite parenthèse pour rappeler, à la base il devait totalement mourir, c'est juste que enfin Le plein, fan se en fait, il y demandait a ce qu'il allait devenir. Il y a plein de fans qui, enfin, il y a quand même quelques fans qui ont fait des posts et des forums en demandant au scénariste, mais on l'a adoré ce personnage, qu'est-ce qu'il vient, son corps on l'a pas vu. Alors tout le monde a été calciné. Je rappelle que pendant War 2, le feu des dragons rouges a détruit toute la flotte Demandez à quasiment. Derek comment ça se Ça, passe. Derek Port-Vaillant, hein, Derek Pronmore, donc le frère de Jaina, il Et que s'est vous fait voyez dans BF actuellement. exactement, s'est fait cramer la tronche. Hein, il est parvenu et est devenu roi Lich parce qu'il a les pouvoirs du dragon. Non, non, il s'est fait cramer la gueule. Hein. Et en l'occurrence, lui, en fait, c'est tout simplement qu'on l'arèse, puisque d'autres personnages comme Dranosh Sorfang, hein, le fils de l'autre légende, évidemment Varrok, Sorcro, eh bien, a été ramené en tant que Death Knight, donc de Chevalier de la Mort. Et au final, Bolvar, il y avait l'hésitation, est-ce qu'on en fait un Chevalier de la Mort ou tout simplement bah, il est mort et puis basta. Et au final, eh bien, ils ont, selon la demande de quelques fans, eh bien, ils en ont fait quelque chose d'autre, comme vous le voyez sur cette image. Eh bien, il fallait quelqu'un pour remplacer, hein, le capitaine du Hollandais volant, Bolvar Fordragon, qui est devenu le nouveau roi Lich, Eva. C'est ça. Est-ce que tu voudras passer du coup la cinématique ou pas du Je tout? ne l'ai pas, je ne l'ai pas là, donc D'accord. on va. Sinon, je peux vous la passer, mais c'est pas grave. Sinon, on va la résumer parce que c'est un script absolument fantastique. Donc, nous avons donc du coup Arthas qui a capturé donc cet homme qui a survécu à la peste et au feu des dragons, qui n'est toujours pas mort pour précision, et qui cherche à lui soutirer des informations. Ceci est textuel, c'est ce qui est dit par les développeurs et en jeu. Il le torture pour en faire un de ses serviteurs. Mais il ne peut pas, car la lumière est trop forte en lui. Pardon. Ce que je vous dis, c'est du Chronicles. Ce n'est pas un avis, etc. en mode C'est Blizzard un a fait fait. n'importe quoi pas. C'est ce qui est dit par les développeurs. Il ne peut pas le soumettre parce que la lumière est trop forte en lui. Pour rappel, Arthas est un nécromancien. Il tue quelqu'un, il le ramène. Et en C'est tant tout. que roi Lich, il est le maître, le roi des nécromanciens en fait. Hein. Donc, je veux dire, Donc. Sylvanas, elle était très puissante. Antonidas était un personnage très très puissant. Uther était un personnage très très puissant. S'il avait besoin d'informations, il les bute et il les raise. Bon, en l'occurrence, Uther et Antonidas, il ne les a pas raise, mais C'est c'était son ça. choix. C'est un choix qu'il a fait et qui est précisé dans le lore, qu'il est bien dit pourquoi il ne ressuscite pas ces personnages-là. Là, on nous explique pourquoi. Enfin, on nous explique pas pourquoi il ne le tue pas. En fait, on ne dit absolument rien. On sait juste qu'il ne peut pas le soumettre. Il ne peut pas soutirer d'informations parce qu'il résiste à la torture. Il suffirait, on le rappelle, hein, les morts-vivants, ce qu'ils font, c'est tout simplement ils tuent, ils raisent, un petit peu comme les Zergs hein, dans StarCraft. C'est-à-dire on zergifie, comme ça, pas besoin de savoir s'il ment ou pas. On l'a sous son contrôle et là, il peut que nous dire la vérité. Donc c'est quand même un super moyen pour avoir des informations. Eh bien là, non, la lumière était trop puissante. Arthas, le roi Lich, ne peut pas lui soutirer des informations. C'est quand même incroyable quand à Vanilla, eh bien, la rejeton des dragons. Dragon Noir arrive à le mind control. Là, la lumière, apparemment, elle était en congé, tout simplement maladie, peut-être en arrêt maladie. En tout cas, bon, voilà, encore un petit peu pour vous montrer que l'écriture, un petit peu de Wrath of the Lich King, n'était pas si folle que ça, même si tout le monde retient. C'est encore une fois, là, c'est un fait, ce sont des faits. Objectivement, il y a de très bonnes choses qui sont arrivées avec Wrath of the Lich King, les Vry'Koul, cool, etc., les Valkyrs, mais en l'occurrence. Il y a quand même des soucis d'écriture, notamment sur la fin de Wrath of the Lich King avec Arthas, le cycle sur Arthas et Bolvar. Et malheureusement, certes, Wrath of the Lich King a marqué les joueurs de manière plutôt. C'est souvent l'extension la plus. Enfin, on va Gameplay. dire l'extension préférée des joueurs, majoritairement. Mais au final, il y a vraiment un gros souci d'écriture sur la fin. Et Bolvar donc devient le nouveau roi Lich, mais le monde doit avoir un roi Lich. Bolvar qui au final est le chevalier, on le rappelle, c'est vraiment la légende arthurienne, Fordragon, tout ça, tout ça. Il veut protéger le monde en cachant l'existence du fléau, en cachant sa propre existence C'est aux yeux ça. du monde.
et du coup retenir le bras du fléau, enfin retenir le fléau justement pour pas qu'il détruise le monde. C'est ça, puisque Arthas va donc être vaincu par les aventuriers, donc dans le lore les joueurs, et Tyrion, qui brisera son épée, donc la givre, ce monde, est brisée en plusieurs morceaux, les morceaux seront récupérés plus tard, ne vous en faites pas, on y reviendra, et Bolvar, pour récupérer les pouvoirs du roi Lich, enfile le casque de nomination, pour être précis d'ailleurs, c'est Tyrion qui le met sur lui, et l'idée c'est de cacher donc du coup la renaissance du roi Lich, et le fait que Bolvar est mort avec lui. C'est ça. Et voilà, vase clos, Bolvar reprend le contrôle des morts-vivants, mais pas tout à fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, rien que quand il a enfilé le casque, on y reviendra après plus en détail, mais il y a déjà un petit changement dans la personnalité, on sent qu'il est très vindicatif, on va dire, par rapport à Tyrion, qui est son meilleur ami, etc. Il commence déjà à être très vindicatif, il lui dit « Fuis, va-t'en, laisse-moi, va-t'en, etc. » On y reviendra après, bien entendu. Alors, un point qui est très important, c'est justement... un élément de BFA, mon cher Eva, parce qu'il y a eu un nouvel arc, c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo, il y a eu un nouvel arc qui est arrivé maintenant quelques mois, avec vraiment un thème de la mort, justement c'était Vol'jin, c'est un arc autour de Vol'jin, pour savoir où est l'âme de Vol'jin, et c'est notamment les quêtes autour de Bon Samedi dans BFA, qui nous donnent un petit peu plus d'informations concernant le roi Lich. C'est ça, on comprend mieux avec les récents éléments de pourquoi le roi Lich en fait est si essentiel à l'univers de Warcraft. C'est pas spécialement une entité extrêmement importante, mais l'idée c'est qu'il est un des points de la mort et un des multiples points de la mort disséminés sur Azeroth. Et le roi Lich est en réalité le gardien d'un de ces points. C'est ça. Et donc c'est pour cela qu'il faut ce gardien, qu'il faut quelqu'un pour contrôler cette partie du monde. Donc l'idée bien sûr c'est que du coup le roi Lich n'est pas si nécessaire que ça, mais c'est juste que c'est ce point qui doit bel et bien être gardé. La question juste savoir est-ce que Bolvar il arrive bien à pas entretenir ce point, ça on le verra plus tard, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a quelqu'un qui le gère pour l'instant. Et on peut en parler des autres points, parce qu'il faut imaginer si vous n'arrivez pas forcément à visualiser le truc, c'est tout simplement comme les points telluriques, donc des points où la magie est puissante. Il y avait par exemple le puits de soleil, c'était un endroit où les points telluriques, c'était un des points telluriques importants du monde d'Azeroth, c'est là où la magie était forte, était influente. Là c'est un peu le même principe, mais avec les magies nécromantiques en fait, tout simplement. Donc là c'est un pont en fait, il faut imaginer une espèce de pont entre le monde des vivants et le monde des morts, il y en a plusieurs. On a Icecrown, donc Northrend, donc Norfandre, pour justement là où il y a le roi Lich. Et on peut peut-être en citer d'autres, avec notamment Bon Samedi, avec Tazar du coup, avec Zandalar. Et il y a également Helheim, tout simplement. Helheim ou les Ultères que vous avez pu voir à BFA avec toutes les histoires Androsvar. Et il faut bien comprendre en gros que c'est des sortes de dimensions de la mort, comme ce que vous avez pu voir dans le rêve d'Emeraude. C'est-à-dire qu'il existe quelque part, comme surtout Helheim qu'on a pu visiter, des mondes entiers de la mort où se retrouvent les âmes d'Azeroth. C'est ça, un plan de la mort. On a le rêve d'Emeraude qui est d'une espèce de plan astral de la nature. Il faut imaginer qu'il y a un plan de la mort avec toutes les terres des morts. Et ça, ça va être quelque chose. Une jonction. C'est ça. C'est une des entrées, on va dire. En l'occurrence, l'arrivée, justement, on va pouvoir parler maintenant de Bolvar en tant que patron. Son règne commence difficilement. Hein, la situation géopolitique de Bolvar en tant que roi Lich est un petit peu particulière. Alors je mets la date, c'est quand même super important puisqu'il y aura peut-être des nouveautés par la suite, bien entendu. Nous sommes le 5 juin 2019 et jusqu'à présent, Bolvar ne contrôle pas tous les morts-vivants. Alors, ce qui est très important et ce qui aurait pu être une des thématiques abordées, c'était Sylvanas. Est-ce que Sylvanas, qui avait été libérée du contrôle du roi Lich, allait repasser sous le contrôle du roi Lich? Blizzard m'a même pas cherché à parler de ça. Ça aurait pu être une thématique intéressante pour une série de quêtes et autres. Non, au final, Sylvanas ne repasse pas sous le contrôle du roi Lich, donc les réprouvés restent indépendants, on va dire. Par contre, de nouveaux morts-vivants vont faire sécession. Eva, je vais commencer par présenter mes personnages préférés aussi. Faites plaisir. C'est Kel'Thuzad, évidemment, puisque Kel'Thuzad... Alors, je sais qu'il y en a qui vont découvrir cela, c'est bien dans Chronicles, ça a été confirmé dans Chronicles 3, ça a été confirmé également en jeu et par les développeurs. Kel'Thuzad est toujours en vie. Oui, Kel'Thuzad, son...
son phylactère. Hein. Je rappelle que pour tuer une liche, il faut tuer la liche et le phylactère. Le phylactère de Galtuzel lui a toujours échappé, et en l'occurrence, donc, il est encore en vie, et il dirige toujours le culte des damnés, donc la plupart des membres du fléau qui sont présents tout simplement dans les Maltaires de l'Est, Scolomance, etc. Et en l'occurrence, il a fait sécession avec le fléau de Bolvar, puisque c'est Chronicles 3, hein, ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est un fait. Kel'Thuzad, je l'aime encore plus pour ça, Kel'Thuzad ne reconnaît pas l'autorité de ce roi Lich. Donc, on a un petit peu l'impression qu'il sert un autre roi Lich, mais alors qui, du coup ? Ça, bon, je dirais que c'est davantage de la théorie, même si pour le coup, il y a tout de même des réminiscences qui font penser que Bolvar n'est pas seul, qu'il y a d'autres influences en plus de la sienne, même si pour l'instant, ce qu'on sait de Bolvar, c'est qu'il a perdu le contrôle, comme Arthas avait... Enfin, Ner'zhul avait perdu le contrôle d'une partie du fléau avec Sylvanas et les réprouvés. Bolvar a perdu une partie du fléau avec le culte des damnés qui ne le reconnaît pas, même si, pour rappel, le culte des damnés, pour la plupart de ses membres, sont des vivants qui obéissaient au roi Lich. Et donc, du coup, ces vivants-là ne reconnaissent pas l'autorité de Bolvar et gardent leur propre autorité. Est-ce qu'il y aurait une entité supérieure qui serait au-dessus du culte des damnés, au-delà de Kel'Thuzad ? Ça, on le découvrira peut-être un jour. Sachant que Bolvar dit, il n'y a pas le culte des damnés, on reviendra sur une autre entité, enfin, une autre faction aussi importante, mais... Il y a parfois des morts-vivants qui ne sont même pas sous faction, parce qu'il y a des morts-vivants du culte des damnés, mais il y a aussi d'autres morts-vivants potentiellement de Northrend et ailleurs qui ne répondent plus à l'appel, enfin au commandement de Bolvar, tout simplement. Par contre, il y a une autre faction qui fait sécession. Alors, on va en parler, parce que c'est c'est les résistants, pas si résistants, et je vais te laisser nous les présenter, bien entendu, la Lame d'Ébène. Évidemment. Alors, la Lame d'Ébène, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas joué forcément World of Warcraft, donc ce sont donc des chevaliers de la mort créés par Arthas, le roi Lich, donc le Arthas qui n'a aucune influence à part la sienne, dénué de toute gentillesse, qui va créer donc une armée de chevaliers de la mort à son service pour aller attaquer Tyrion, son grand ennemi, etc. Cette armée va échapper à son contrôle, va se rebeller contre lui et va mener la guerre contre lui durant les événements de Wars of the Lich King. C'est un petit peu l'idée des chasseurs de démons qui luttent contre les démons. Là, c'est un peu les chevaliers de la mort renégats qui vont se battre contre d'autres chevaliers de la mort et tout simplement l'incarnation de la mort, le roi Lich. Exactement. Et donc, du coup, ces créatures, ces êtres sont totalement indépendants. Ils sont leur faction à part entière. Et c'est là que survient la campagne de Légion, de l'extension de World of Warcraft Légion, où, en tant que chevalier de la mort, vous êtes amené à vous associer au roi Lich Bolvar. Et on comprend vite que cette association est davantage une soumission, en fait. Oui, parce qu'en fait, ce qui est très drôle, alors on a, pour préparer cette vidéo, on a beaucoup à faire entre les lectures, et notamment on s'est tapé toute la campagne du chevalier de la mort dans Légion, et le début, c'est assez intéressant. On a celui qu'on voit ici, le chef de la Lame d'Ébène, donc Darion Mogren, qui nous fait un grand discours en mode « Oui, nous avons combattu le roi Lich, mais maintenant, ce n'est plus la même entité. Maintenant, nous devons nous unir face à un ennemi beaucoup plus puissant, la Légion Ardente. Donc, on a choisi de combattre aux côtés du roi Lich, donc Bolvar. Mais ne vous en faites pas, nous sommes complètement libres de son contrôle. C'est juste un pacte de non-agression. On va dire, voilà, un partenariat pour pouvoir combattre la Légion Ardente. Ok, on nous dépeint ça comme ça. » Deux quêtes plus tard, même pas, je crois, une quête après, on a tout simplement Bolvar dans les réponses. Darion dans les réponses est différente qui dit bah allez voir notre maître vous attend, le roi Lich. Donc des résistants, pas si résistants que ça, Eva. C'est ça. Au final, au fur et à mesure des quêtes, par tous les sous-entendus, etc., des personnages, vous avez notamment Amal'Thazad ou ce genre de choses, en réalité, le roi Lich Bolvar est en train de se réapproprier les Chevaliers de la Mort à tous ceux qui veulent une troisième faction, les Chevaliers de la Mort. Vous êtes fait déjà partie d'une autre faction, celle du roi Lich Bolvar, en fait. Parce que vous êtes clairement sous son influence, vous n'êtes plus maître de sa pensée, comme le précisera un autre personnage qui vous ne sera qu'un rappel supplémentaire, que le roi Lich Bolvar, même s'il n'a pas pu reprendre le contrôle de Sylvanas ou du culte d'Andané à ce jour, il a repris possession des chevaliers d'Akerus. Pour en faire quoi? On n'en sait rien pour l'instant.
On sème des petites graines tout au long de la vidéo pour la finalité, puisque il y a des choses qui sont dites. Et justement, on parlait de la lame d'ébène, mais il n'y a pas que lui. Arthas, malgré sa mort hein, dans la cinématique, justement, alors qu'on n'a pas pu montrer, mais justement sur la fin où Bolvar prend la place, etc. Il y a, en plus, la musique tombe à pile poil et c'est parfait. On a tout simplement donc le père d'Arthas qui avait été tué par Arthas et qui était donc Terenas qui était enfermé. L'âme de Terenas était enfermée dans Frostmonde, dans son épée. Et en l'occurrence, il expliquait lui aussi comme Uther qu'il fallait avoir absolument un roi liche pour gérer tout ça. Et au final, la mort d'Arthas, donc Arthas est tué, et la mort d'Arthas, les derniers mots d'Arthas, c'est « les ténèbres m'envahissent, je ne vois plus que les ténèbres », et à la fin il meurt, il expire. Et la quête de vengeance de Sylvanas qui l'a mené en fait à tuer Arthas, ça lui a été privé, elle a pas pu le faire elle-même, et à la fin elle a un grand vide, puisque sa quête de vengeance, on va dire son existence reposait sur son désir de vengeance. À la fin, Arthas est mort, et elle pensait qu'elle allait enfin trouver, on va dire, la paix intérieure. C'est pas du tout le cas, et elle n'a plus de but, et lui réprouver, c'était qu'une flèche dans son carquois, c'était qu'une arme, donc elle s'en fout, et elle se suicide, elle se jette du haut de la citadelle sur les flèches en contrebas. Et lors de son petit voyage, son petit séjour, court séjour, dans les royaumes des morts, eh bien, elle fait une petite rencontre, Eva. C'est ça. En fait, tout simplement, Sylvanas, alors qu'elle avait simplement vu Bolvar sur le trône en se rappelant du coup que son combat n'avait servi à rien puisqu'il y avait un nouveau roi liche, tout ce qu'elle a fait était totalement inutile et qu'elle se suicide, et donc elle va rentrer dans le monde des morts. Brièvement, elle va voir tout simplement un Arthas, l'âme d'Arthas, totalement déchirée par les tourments, sous sa forme la plus... Je veux dire, la plus inoffensive, celle d'un enfant, celle du Arthas paladin, celui qui était le prince, le sauveur de son héritier, peuple. C'est ça, Elle voit son âme. Elle voit son âme, et donc du coup, elle le voit déchiré par les tourments, mais tout ce qu'on peut retenir de cela, c'est que l'âme d'Arthas est donc bel et bien présente dans les limbes. C'est-à-dire qu'Arthas ne s'est pas juste vaporisé, comme certains pourraient penser. Certains auraient cru que l'épée qui absorbe les âmes, donc Frostmonde, de Givre, consume les âmes, elle ne les consume pas, elle les garde en réserve. C'est ça, et les enfers. Elle les boit. Son âme est retournée dans le monde des morts. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui est aussi important, c'est de voir que il n'apparaît pas sous l'apparence, comme tu l'as dit, il n'apparaît pas sous l'apparence déshumanisé. De chevalier de la mort ou de roi liche. Il apparaît sous l'ancienne forme de paladin en apprentissage, d'enfant, de prince. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est, je le rappelle, mais franchement, on a été brisé. Donc ça a libéré les âmes. Les âmes, certaines ont été du coup envoyées dans les terres des morts. Mais du coup, ça libère l'âme d'Arthas. Et je rappelle que Arthas, en empoignant Frostmourne, avait perdu son âme et du coup n'avait plus vraiment son libre arbitre. Il avait encore sa personnalité, mais plus son libre arbitre. Donc ça, c'est assez intéressant et on en reparlera un peu plus après. Donc la destruction de Frostmourne, qui d'ailleurs dans la campagne, encore une fois, des DK dans Légion, est plutôt intéressante. Et il y a justement l'histoire de Frostmourne avec le fait qu'elle va être reforgée. C'est ça, l'épée va être reforgée en une double lame, les lames du prince déchu, pour être précis. Et ces lames vont nous apprendre énormément de choses, notamment donc du coup que l'âme d'Arthas a bel et bien été libérée du coup de l'influence du roi Lich au moment de sa propre mort. Et aussi, et ça je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait, parce que nous l'avons découvert du coup quand on faisait le stream sur la campagne des DK de Légion, des échos d'Arthas vont venir nous tourmenter à différents points de notre aventure. C'est ça, alors c'est justement, hein, vous le voyez, j'ai les épées, j'ai les deux épées jumelles d'équipées, et c'est ce qui fait que je vais, enfin ce qui fait qu'avec Eva on a eu justement les souvenirs d'Arthas, donc Arthas qui revient et qui va évoquer justement plusieurs choses intéressantes. Il y a des moments où on s'en fout, enfin il dit des trucs vraiment un peu plus pour, on sent que c'est un peu plus pour faire un peu lyrique. De contenu, mais voilà, plus lyrique qu'autre chose, un petit peu le poète, mais Arthas
va vraiment. Alors Arthas, qui est par contre sous son apparence, c'est ça super important, son apparence de roi Lich. Il a le casque, il a le home de domination. Parce que ce n'est pas le Arthas en paladin ou le Arthas en chevalier de la mort. On est bien sur le Arthas roi Lich. Et du coup, comme vous le voyez, vous pensez avoir le contrôle de votre propre volonté, mais vous lui obéissez. Si vous existez, c'est qu'il le veut bien. Vous pensez être libre, mais vous serez toujours son instrument. Alors ça, c'est quand même super important. Il y a un autre point aussi, comme vous voyez encore les deux épées. La première est vraiment très très importante, hein, celle que je viens de vous montrer, gardez-la en mémoire, mais il y en a deux autres aussi qui sont assez intéressantes. C'est « Les ténèbres ne meurent jamais », « Honnissez le cauchemar », « Luttez tant que vous le voudrez », « Les ténèbres infinies sont patientes, tous nous succomberons ». Donc là, il y a un petit peu plus un rapport avec le vide, très probablement, puisque c'est dans le Val du Cauchemar. Et enfin, on a « Regardez les esprits se débattre et se tordre », les innombrables ombres oubliées par le temps, les morts sont plus nombreux que les vivants et le seront toujours. Donc c'est quand même assez important parce qu'il y a encore une fois cette idée de... Dans toute la campagne, on l'a dit, hein, les chevaliers d'ébène semblent être libres mais ne le sont pas. Et là on a encore une fois l'idée qu'il y a peut-être quelque chose derrière et que en fait on appartient encore une fois, on est sous le contrôle du roi Lich. Ça a de force qui les dépasse puisqu'il dit « vous lui obéissez ». Après, la question, en fait, c'est qui ? C'est très sous-entendu, c'est ça. Est-ce que c'est Bolvar ? Est-ce que Bolvar est seul dans sa tête ? À sa fenêtre, pardon. Est-ce que, du coup, c'est bien lui qui a le contrôle ? Est-ce que Bolvar, du coup, serait une entité qui serait en train de tourner vers l'obscur ? Parce que bon, prendre possession des gens, c'est pas très sympa. Ouais. S'il veut prendre possession de la Lame des Mènes, ce serait dans quel but ? À quelle fin ? Et effectivement, si Arthas nous parle comme ça, on nous dit que c'est de souvenirs, mais... Ce sont des souvenirs, ce ne sont pas des événements peut-être qui se sont passés. Parce que Arthas nous s'adresse directement. Parce qu'il me semble qu'en anglais c'est écho d'Arthas, c'est pas un souvenir. Il y a écho et parfois on a memory. Mais memory est un terme qui peut être sujet à interprétation. Après, je vous avoue que là, c'est très nébuleux à ce niveau-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très étrange qu'on ait un souvenir d'Arthas qui nous dise qu'on appartient à quelqu'un d'autre, sachant que, pour rappel, les cheveux de l'âme d'ébène ont été créés par Arthas. Le roi Lich, au moment où il était seul. Donc, s'il nous dit vous lui appartenez, il parle pas de lui-même à la troisième personne. Oui. Donc, il évoque quelqu'un d'autre. Bolvar, Ner'zhul, ce genre de choses. C'est ça. Ou peut-être même une autre entité de la mort, hein, c'est possible aussi. Exactement. Même si, bon, ils ont quand même été créés par le roi Lich, donc sur le papier, on se dirait le roi Lich. Mais alors, est-ce que c'est Bolvar, du coup, qui aurait le plein contrôle ? Alors, un point que j'ai envie de dire avant de mettre la prochaine image, c'est aussi le fait que on sait que Bolvar a perdu un petit peu le contrôle sur certains, on l'a dit hein, juste avant, sur certains morts-vivants, mais il y a aussi un gros changement dans sa personnalité, et si vous faites la campagne des DK, vous le voyez, on va dire que le chevalier, le paladin de lumière a complètement disparu, et que malgré qu'il veuille protéger le monde, aider, etc., les beaux discours quand il a enfilé le casque, au final, on commet des sacrées exactions sous ses ordres en tant que chevalier de la mort de la lame d'ébène. Exactement. Il y a notamment cette histoire du massacre des dragons rouges, qui est une des rares quêtes à choix de World of Warcraft, où on vous propose ou non de sauver ou de massacrer les dragons rouges. Et si jamais vous les massacrez, d'ailleurs, Bolvar dira « Vous êtes comme moi, vous êtes vide à l'intérieur ». Ça, c'est important. Il n'est pas si vide que ça, comme vous l'indique Malga à l'écran. Le casque lui parle, donc il n'est pas tout seul en fait. Lisez bien ici, c'est super important. Le home de domination me montre bien des choses. Et ça, c'est que on pouvait pas vous mettre non plus que plein de on a déjà pas mal d'images, mais il y en a d'autres où justement il explique, par exemple, si vous faites la quête aussi pour la monture volante et même d'autres, où il dit voilà, le home de domination me montre des choses, j'entends des voix qui me parlent, et le truc, c'est on a envie de dire quelle voix. Alors je sais qu'il y a beaucoup de questions concernant Vol'jin avec le fait qu'il ait choisi Sylvanas, etc. Le truc, c'est que n'oublions pas, si on a fait cette vidéo et qu'on a fait une intro où on a bien détaillé, on a bien précisé ce qu'est le roi Lich, qui est le roi Lich, à la base, ne l'oubliez pas, le casque, ça abrite l'âme de Ner'zhul. Ner'zhul qui est le grand nécromancien, celui qui arrivait à contrôler tout le monde. Et le casque lui montre des visions... Et lui dit des choses, lui murmure des choses. C'est ça, sachant que Ner'zhul est le casque à l'origine. Le casque n'est pas un artefact magique qui permet d'un coup d'avoir des visioconférences façon Skype ou Discord. C'est à la base, c'est simplement un objet
inerte où il n'y a aucun pouvoir, qui regorge l'âme, par contre, d'un nécromancien extrêmement puissant, qui C'est canalise ses pouvoirs. encore une fois, on a un petit peu la comparaison avec le Seigneur des Anneaux. On parlait de Sauron pour le Roi Lich, et ça date pas forcément de WoW, hein, ça date déjà de Warcraft 2 et de Warcraft 3. Et là, on a ce murmure, ça fait vraiment l'anneau unique un petit peu. L'anneau unique, j'exagère, mais vraiment le côté, il y a des murmures, on lui parle, il y a des entités supérieures qui lui disent des choses, et qui lui donnent des conseils, ou qui lui donnent la marche à suivre, et lui, il s'exécute. Donc, on nous présente, on nous dépeint un petit peu le Roi Lich, on nous dépeint Bolvar comme le grand décideur, le grand commandant, mais au final, il y a des choses qui lui murmurent à l'oreille. Alors, malheureusement, on se peut se poser la question, c'est qui au final? C'est qui, c'est quoi? Bon, on écarte évidemment toute théorie sur les DTA, etc. Parce que pour rappel, le Roi Lich est l'ennemi de la Légion et du vide à la fois. Ce n'est pas un de leurs sujets. Ça se saurait depuis le temps. Deux éléments super importants d'ailleurs, parce que pour rebondir à ce que tu dis, c'est que ne l'oublions pas, déjà le fléau et les rois Lich a été créé par la Légion Ardente, et le but final de la Légion Ardente, c'est de battre le vide. Donc une arme Exactement. De la Légion Ardente est quand même forgée aussi pour détruire le vide à la fin. Et l'autre point, c'est que de toute façon, les morts-vivants sont immunisés en fait, tout simplement, à l'influence du vide. Même si effectivement cette théorie commence à être, enfin cette théorie, ce fait commence à être mis en cause de plus en plus, on n'est pas à l'abri d'un coup non, revirement, scénaristique ouais, ce serait pas le premier. De bizarre, etc., qui nous dirait qu'en fait, parce que même si on parle bien évidemment du fléau qui a pu être insensible au vide, notamment ça a été montré dans l'extension Wars of the Lich King, avec le fait que les ghouls pouvaient être implantés du sang de Yuxaron sans perdre la tête, mais Effectivement, je le vois mal influencé par ces créatures-ci, je le vois davantage influencé par une divinité de la mort, ou tout simplement par les anciens Roi Lich, en fait, tout simplement. Ouais, peut-être Arthas et Ner'zhul. Après, moi, j'aurais tendance... Alors, je suis un gros fanboy de Ner'zhul, mais on va essayer de rester objectif. On y reviendra après dans les théories. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est pas le casque d'Arthas qui l'enfile, c'est le casque de Ner'zhul. Donc, Exactement. Même si, bien sûr, Arthas est probablement encore présent dans le casque, c'est quand même quelque chose d'important. Alors revenons justement, hein, ça va faire la transition vers l'autre personnage, Ner'zhul. Est-ce que Ner'zhul est mort? On nous avait sous-entendu que la partie gentille, le Mathias Lerner, donc la partie gentille d'Arthas était mort. Au final, on nous a bien montré que non. Même quand Sylvanas se suicide, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit quasiment la représentation de ce qu'est Mathias Lerner, donc la partie lumineuse et enfantine et candide d'Arthas. Donc d'un côté, on nous dit qu'il est mort, mais au final, non. D'un côté, on nous dit que le Ner'zhul est mort, et au final, première quête des DK. On voit quoi? On voit l'écho de Ner'zhul qui, justement, montre bien qu'il a l'emprise sur Arthas et tous les petits sous-entendus qu'on a vus depuis tout à l'heure avec l'idée d'un... Les lames du roi déchu et qui est censé être un écho. Alors certains nous diraient encore, oui, mais c'est juste des manifestations spirituelles. Vous avez l'écho de Ner'zhul qui vous dit, ne vous approchez pas, il est à moi. C'est rare qu'un souvenir vous parle directement, encore une fois. Ça donne plus l'impression de réminiscence de l'âme. Avec, encore une fois, on ne dit pas que l'esprit de Ner'zhul est présent, mais il y a cette idée de fragment, comme pour Arthas, où l'âme est encore là, encore existe, plus que de dire que l'entité est présente, mais que son influence est là. Et encore une fois, tous les petits sous-entendus qu'on vous a glissés depuis le début, avec qui ne sont pas, même si encore une fois, je sais que vous allez probablement, certains sceptiques vont probablement réutiliser le fait que je sois un fanboy de Ner'zhul contre moi, encore une fois, ce sont des faits à ce niveau-là. La théorie, on y reviendra après, et c'est mon désir le plus cher de Exactement. Revoir Ner'zhul. C'est pour ça qu'on vous donne des preuves, pour qu'aussi vous ayez une certaine réflexion vis-à-vis de tous les éléments qui sont donnés. Exactement, donc il y a vraiment ces côtés-là, tous ces sous-entendus donnent l'impression, alors c'est pas dit que c'est Ner'zhul, mais donnent vraiment l'impression, enfin je veux dire, c'est le casque qui lui montre des choses, le casque à la base c'est Ner'zhul, hein. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des choses, en plus on nous donne l'impression que Ner'zhul est mort, mais au final on voit Mathias Lerner, donc on voit que la partie d'Arthas qui est censée avoir été tuée est présente, donc pourquoi ça serait pas pareil pour Ner'zhul au final? Et d'autres points qui sont très importants aussi, Eva, c'est des réponses de Dev, puisque il ne suffit pas de lire les livres de The Chronicles, etc. Les scénaristes sont également très importants
dans le déroulement, il faut lire aussi parfois des tweets et qui peuvent être envoyés, des réponses sur des forums et autres. Bon, parfois les réponses sont pas forcément terribles, hein, il y a Sleos Elf, mais bon, après lui c'était pas un scénariste. Mais en l'occurrence, là pour le petit question-réponse que l'on voit justement, alors c'est en anglais, mais l'idée c'était justement, il doit toujours y avoir un roi Lich, et l'un des scénaristes a répondu à cela et va concernant donc les fantômes d'Uther et Terenas qui expliquaient que le fléau avait besoin d'un roi Lich. Ben, il disait, je vous l'ai traduit du coup, donc ça vaudra ce que ça vaudra. Donc, pour faire simple, pour empêcher les gens de générer des théories de complot élaborées, restons sérieux un instant et définissons qu'ensemble, que les fantômes d'Uther et de Terenas ont compris que le fléau se déchaînerait sans personne pour le contrôler. Cela signifie qu'Arthas et Ner'zhul ne lâchaient pas toute la force du fléau pendant leur règne respectif. Vous êtes invités à en spéculer les raisons. Toute piste reste ouverte. Ça sous-entendrait du coup qu'il y ait potentiellement eu un conflit interne, ce qui avait déjà été évoqué dans Wrath of the Lich King sur le fait qu'au final, bon, même s'il a tué sa partie gentille et Ner'zhul, on pourrait comprendre en fait que finalement ils n'auraient pas été situés et que ça aurait justement bloqué un petit peu Arthas ou Ner'zhul, on ne sait pas trop au final, qui était vraiment aux commandes à l'époque de Wrath of the Lich King, mais en tout cas, la personne aux commandes a eu des bâtons dans les roues au sein même du casque et n'a pas pu déchaîner la pleine puissance du fléau contre le monde. Ça. Ce qui viendrait contredire en fait l'idée qu'on nous imposait jusqu'alors, qui était que Arthas était seul, mais quelqu'un lui retenait le bras. Ou alors, on verra après, non, je suis peut-être un petit peu tôt, mais c'est vrai que j'ai envie de répondre tout de suite à ce niveau-là. Alors là, encore une fois, là par contre, on est dans de la théorie. La partie de la spéculation. Peut-être qu'au final, c'était pas Arthas aux manettes, mais Ner'zhul. Et que justement, c'est Arthas qui aurait résisté, qui aurait fait en sorte de bloquer les intentions malveillantes de Ner'zhul, sachant que c'est vraiment beaucoup plus le délire de Ner'zhul de transformer tout le monde en mort pour pouvoir combattre finalement la Légion Ardente et le vide. Du coup, est-ce que qui a retenu son bras en fait? Qui a retenu le bras? Donc ça, c'est toujours difficile. Et il y a une autre, et c'était Monsieur Chris Metzen qui avait tweeté là-dessus en réponse. Puisque il y avait entendu l'ordre à l'époque. Exactement. Hein, le directeur, donc c'est tout simplement un des fondateurs de Blizzard et des jeux, des différents jeux Blizzard. Et tu l'as dit, le chef de l'histoire, donc le chef des scénaristes de Blizzard à l'époque, qui avait répondu que justement, donc on lui avait dit, est-ce que Ner'zhul a complètement disparu? Est-il, ça y est, totalement mort? Et Chris Metzen avait répondu, pour le moment, il n'est plus vraiment présent à l'heure actuelle, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que dans cet univers, quelqu'un est vraiment mort? Et il y avait un petit smiley et autres. Voilà, donc on sous-entend que Ner'zhul n'a pas un rôle à jouer tout de suite, mais qu'il n'est pas mort non plus, donc il pourrait revenir par la suite. C'est toujours les petites réponses comme Illidan, hein. C'était exactement la même chose, parce que là on pourrait me dire oui mais tu prends tes rêves pour tes réalités, n'oubliez pas que je suis pas forcément Illidan est mort à baisser. Je suis pas non plus ultra fanboy d'Illidan, mais pourtant Illidan, il avait été dit qu'il était mort. À une BlizzCon, on a dit est-ce que vous aimeriez avoir un retour d'Illidan, les gens ont fait oui. Illidan, un des persos les plus bankable de Warcraft, Légion. Qui est en tête d'affiche? Illidan. Donc, on y reviendra encore après, mais il y a des choses intéressantes. Et maintenant, donc on peut revenir. Donc on avait déjà montré, hein, mais voilà, je le remets. Si vous existez, c'est qu'il le veut bien, mais vous lui obéissez. Donc on voit l'apparence d'Arthas qui commande en fait tout simplement, qui met en garde contre Bolvar ou contre une autre force maléfique. Et du coup, j'ai envie de... qui pose des conseils, quoi. Exactement, c'est Arthas en roi Lich qui donne des conseils de attention, il vous contrôle. Vous savez, ça rappelle un peu Illidan, vous savez, le mec que vous avez buté, et finalement, on vous explique quelques extensions plus tard qu'en fait, il avait tout compris et qu'au final, vous allez l'aider. Arthas, ça pourrait être ça, le mec que vous avez buté et qui finalement va vous aider. Un point qui est quand même très important, ah non mais totalement, hein, tu as totalement raison, c'est une discussion, et en l'occurrence, n'oublions pas quelque chose qui est... Alors là, on va rentrer plus dans le... théories, ça y est, on a maintenant vraiment attaqué les théories plus que les faits, mais par contre c'est un fait, Blizzard est une entreprise, il y a des personnages qui sont iconiques, on fait, qui vendent, n'oublions pas que c'est une entreprise et que WoW, bah, justement, ils doivent vendre des extensions, ils doivent vendre des jeux, et en l'occurrence, quel est le World of Warcraft qui a eu le plus gros pic de joueurs, quel est le World of Warcraft qui a le plus retenu l'âme des joueurs et la nostalgie des joueurs? C'est classique, non, je déconne, non, c'est Wrath of the Lich King. Donc, Wrath of the Lich King, qui était le grand antagoniste de l'extension, c'était Yogg-Saron, non, je rigole, c'était Arthas.
Donc c'était le roi Lich. Du coup, non, c'est pour rigoler, je peux pas vous perdre. Je peux plus. Trop de blagues. Mais du coup, c'était le roi Lich, c'était Arthas. N'oublions pas que Burning Crusade avait tué beaucoup de personnages, ce que j'appelle très souvent le safari, c'est-à-dire le fait que oh, vous aimez Illidan, tuez-le, vous aimez Dame Vache, tuez-la, et on tue tout le monde, on fait la petite selfie avec, avec le cadavre du bro, et au final, eh bien, Légion essaye de corriger ces petites erreurs qui ont détruit des pistes et des outils de scénario très importants, parce que bon, tuer Illidan c'est quand même complètement con quand tu sais ce que tu peux en faire, étonnamment dans Légion, ils l'ont ramené. Est-ce qu'on pourrait pas avoir, du coup, Eva, une espèce de Wrath of the Lich King 2? Parce que Légion, c'est vraiment un Burning Crusade 2 qui a essayé de corriger pas mal d'erreurs qui avaient été faites à l'époque, mais c'est compréhensible. À l'époque, il fallait vendre, ils se rendaient pas compte que WoW allait avoir un tel succès. Et au final, maintenant, bah, on essaie justement d'aller vers un scénario intéressant, bien travaillé. Et maintenant, eh bien, est-ce qu'on pourrait pas avoir un Wrath of the Lich King 2.0 avec un retour d'une des figures emblématiques de Warcraft, à savoir Arthas? J'ai envie de te dire, c'est tout à fait possible. On sait que la survie de WoW est remise en cause chaque année, à savoir est-ce qu'ils vont faire des extensions. À l'heure actuelle, tout le monde a les yeux rivés sur le vide, sur l'île aux dragons, ce genre de choses. Mais on ne peut pas négliger le fait que la mort est désormais de plus en plus présente dans l'univers de Warcraft, dans le sens les mondes de la mort qui nous sont évoqués, avec effectivement... Après, je pensais à Légion qui nous avait donné tous les éléments sur le roi Lich qui prenait de nouveau la place, Volvar, Elia avec les mondes de la mort, et effectivement BFA qui met un clou vraiment avec Vol'jin qui pose toutes ces questions sur les dimensions de la mort. On va voir les différentes divinités de la mort, Bwen Samedi, son patron dont on ignore l'identité. On nous parle des différents mondes avec les Ultair du côté de Volvar. Donc, on a pu explorer par exemple à Légion un univers que les joueurs connaissaient mais qu'on n'avait jamais vraiment trop vu, qui était le rêve d'Emeraude. Est-ce qu'on pourrait pas avoir bientôt, en fait, une exploration des mondes de la mort avec le roi Lich, que ce soit Ner'zhul, Arthas et Bolvar, et ou Bolvar, comme personnage clé de ce genre d'intrigue? Sachant qu'il y a quand même, encore une fois, on pourrait nous... Parce que l'idée c'est que même si on est dans la théorie, on essaye de... Moi je suis pas fan des théories qui sont complètement abracadabrantes. Alors, je suis un idéaliste aussi à la base, mais j'essaye bien sûr de faire en sorte que ces théories soient possibles. Et je veux dire, dans BFA, il y a tous ces thèmes de la mort qui sont abordés avec les différents plans du royaume des morts. On a vraiment l'impression que c'est une espèce de continent avec plein de possibilités. On a Helheim, donc avec un thème, parce que ça avait été aussi une des critiques de designer, c'était on peut pas, sur une extension sur la Légion Ardente, on ne peut pas foutre du verre partout. Hein, ça, c'est un problème. Donc, on va essayer de. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait le domaine des Horrocks, etc., où au final bah, c'était plus paisible avec les taurennes. Sur Amar, qui était une ville qui n'avait pas forcément du verre partout, au contraire. Du coup, on pourrait imaginer un territoire, enfin les terres des morts, avec plein de paysages différents. Bien sûr, on aurait le côté un peu glacé, on va dire la réminiscence du fléau, avec une espèce d'apparence de Northrend, de Norfandre en français, mais on a Helheim qui serait plus un territoire avec des bateaux fantômes et autres, donc on est dans un thème encore une fois sur la mort mais qui aurait un look complètement différent. On a comme tu disais Ulter et le principe qui ressemblerait un peu plus à Drossvar, donc une espèce de des mort forêts. Mais plus de sorciers avec de la forêt, exactement, avec toutes les thématiques de forêt, je dirais, concernant la mort. On a pas mal de différences, et notamment bah, Bone Samedi avec l'idée des morts vivants trolls, avec un peu plus le côté égyptien. Donc il y a pas mal de visuels qui peuvent être différents pour préparer une extension. Parce qu'on le rappelle, s'il n'y a pas eu d'extension sur le Rêve d'Emeraude, c'est parce que sinon tout allait être pareil, tout allait être vert. Pour la mort, bien sûr, ce sera sombre, mais il y a aussi, bien sûr, les Valkyres avec le domaine. Les Valeureux, c'est les salles des Valeureux. Donc on pourrait avoir un design qui se rapprochait de ce qui s'est fait sur Tornheim et sur les salles des Valeureux, avec une zone plus lumineuse qui pourrait du coup faire un ensemble de terres variées et possibles. Exactement. Et encore, continuer l'arc des Vrykul, qui a quand même été une des créations dans World of Warcraft. Alors, c'est très pompé, bien sûr, sur la Scandinavie et sur la mythologie scandinave, mais globalement, les Vrykul, c'est quand même quelque chose qui intéresse pas mal les joueurs. Et moi, le premier, je trouve que c'est quand même super intéressant ce qu'ils ont pu faire. Et au final, Elia aussi a repris de l'importance. On sait qu'elle est de nouveau en vie avec BFA. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont quand même tournées vers la mort. Le PPR Bolvar, on le revoit avec les différentes quêtes de Vol'jin. Et il y a également sa fille,
hein, la fameuse Dahlia qui prend de l'importance aussi avec, avec BFA, donc potentiellement Bolvar sur un second plan. Donc il y a quand même pas mal de... On va dire, le terrain est préparé pour un éventuel Wrath of the Lich King 2. Et personnellement, dans la théorie, quelque chose que j'aimerais, c'est revoir Arthas, et un petit peu à l'image d'Illidan dans Burning Crusade, qu'on ait une rédemption d'Arthas. Ne l'oublions pas, mais Arthas, à partir du moment où il a empoigné Frostmourne, il a perdu son libre-arbitre. Donc il était sous l'emprise de Ner'zhul. Même s'il a gardé sa personnalité, il faut vraiment faire le parallèle avec Kerrigan dans StarCraft. C'est-à-dire un personnage qui a voulu faire des choses... Arthas est différent de Kerrigan dans la manière d'y arriver, mais à la fin c'est une arme super puissante, un champion qui n'a plus, qui garde sa personnalité mais qui n'a plus son libre arbitre. Donc ce n'est pas un zombie décérébré, mais il ne peut plus faire ce qu'il a envie de faire. Et du coup il doit se libérer du contrôle de son maître. Ça a été totalement le cas pour Kerrigan, ça n'est pas le cas pour Arthas et on n'a pas eu l'occasion de le voir. Donc est-ce qu'Arthas pourrait se libérer et faire sa rédemption un petit peu à l'image d'Illidan? Je rappelle qu'Arthas, bah, la mort aurait un rôle à jouer, bien entendu. La Légion Ardente, elle est quasiment détruite, mais il reste encore des choses. Mais surtout le vide, les morts qui ont cette résistance passive au vide. En plus, Arthas qui pourrait faire sa quête de rédemption, parce que tout le monde kiffe Bolvar, mais est-ce qu'on serait pas tous plus contents d'avoir un Arthas qui mènerait au contraire les chevaliers de la mort un peu enfin les chevaliers de la mort type l'âme d'ébène contre les forces du vide? Ça serait quand même beaucoup plus classe. Et d'un autre côté, avoir un retour de Ner'zhul qui pourrait être un grand antagoniste, puisque à la base, je le rappelle, mais c'est quand même le Sauron de Warcraft. Donc un retour de Ner'zhul qui au final aurait été le grand salaud de l'histoire, mais qui a pour volonté finale de détruire le vide et la Légion Ardente. Comme j'ai dit, moi je pense que cela, on peut arriver à ce genre de rêve, même si pour le coup Ner'zhul, Blizzard a toujours essayé depuis quelques années de gommer son nom un peu des livres d'histoire. Alors malgré tout, avec ce qui s'est passé à Légion, ils le font quand même apparaître, ils auraient pu ne pas le faire apparaître, on peut garder ce petit espoir. J'ignore pour Ner'zhul, pour Arthas, je vais pas dire que j'en suis persuadé, mais clairement, il y a matière à faire. Oui. Tout est tourné sur le vide, mais la mort, faut pas l'oublier, en fait. Pour moi, c'est ça. Et même moi, de manière objective, c'est vrai que Ner'zhul, je ne peux que constater qu'il est gommé petit à petit, malheureusement. C'est aussi pour ça que je déteste Chronicles 3, parce que Chronicles 3, j'y reviendrai avec la guerre de l'araignée, mais t'as Chronicles 3 qui te dit Ner'zhul, il est ultra puissant, il dérouille des civilisations millénaires, il est monstrueux. Et d'un coup, bah le problème c'est que les scénaristes disent ça, et juste après il faut faire hop 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 hop, il s'est fait la telle cul hein, dans le livre, hein. Donc il faut le nerf là, il faut nerf. L'évacuer. Et malheureusement c'est vrai qu'il subit un peu les contre-coups, il y a cet espoir de retour, on l'a vu, Ner'zhul, les joueurs maintenant l'ont presque oublié, mais c'est quand même une personnalité très importante dans l'histoire de Warcraft. Il est là depuis Warcraft 2, il était revenu dans Warcraft 3, toutes les unités mort-vivantes de War 3 disaient ma vie pour Ner'zhul. Il avait été déifié comme une espèce de dieu de la mort, c'est le thème qui a été repris un petit peu dans Wrath of the Lich King, où Arthas était considéré par les vrais cools et les trolls comme le dieu de la mort. Et au final, Ner'zhul avait été un peu oublié, il y a eu Warlord of Draenor qui, bon, a pas forcément super bien traité, mais qui au moins a eu la démarche de le ramener, et on avait, comme tu l'as dit, dans Légion, l'a revu. Donc, de manière objective, pour moi, Blizzard a tout intérêt à faire revenir Arthas, et Arthas pourrait se battre, on pourrait avoir une espèce de combat entre Arthas et Bolvar. Moi, je pense que le plus intéressant et le plus... Alors, de manière objective et subjective, parce que là, c'est vraiment objectif, on voudrait se battre contre Sauron, et d'un autre côté, de manière subjective, j'aimerais bien sûr voir Ner'zhul reprendre sa véritable place, mais de manière objective, faire en sorte qu'Arthas fasse sa rédemption en combattant un ennemi très puissant, aka Ner'zhul, ce serait quand même super classe. Donc, de manière objective, je pense qu'un retour d'Arthas, c'est quasiment certain si Blizzard veut vendre des jeux en nous pondant une histoire intéressante. Ce serait pas complètement illogique ou incohérent. Et en plus, ça vendrait, un petit peu comme Légion. D'un autre côté, je suis réaliste, j'espère voir Ner'zhul, mais je pense que Ner'zhul va peut-être être mis de côté, malheureusement. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, Bolvar, on va en entendre parler, hein, croyez-moi. On crée pas la fille d'un personnage pour rien. Hein. C'est généralement pour essayer de tisser des liens ou ce genre de choses. Et quand on voit, pour revenir sur Arthas, quand on voit toujours l'engouement qu'il y avait eu, je sais pas si tu te souviens, sur la cinématique de BFA où on le voyait, où Jaina se rappelait de lui, et les gens étaient totalement hypés alors qu'il était un souvenir juste d'Arthas, il y avait une hype. Et vous avez Reforge en fin d'année qui va remettre en exergue ce côté
déification d'Arthas et d'Illidan, ça ne m'étonnerait absolument pas que ce personnage adoré par les joueurs se revienne d'un moment à un autre, que ce soit demandé dans une BlizzCon, à la manière d'un Illidan, on leur demande est-ce que vous voulez avoir du Arthas, ovation, et on est reparti pour un tour. Bah honnêtement, c'est un des personnages les plus réussis de Blizzard, donc ce serait compréhensible. En tout cas, voilà, pour résumer, c'est ce qu'on attendrait. Enfin, c'est ce qu'on attendrait et c'est ce qui est envisageable. Honnêtement, c'est pas une théorie complètement abracadabrante de se dire que Arthas ferait un coming. Enfin, j'allais dire un coming, mais faire un comeback. Non, mais c'est pas possible. Après, on peut tout à fait somper. Tu sais, Blizzard a bien créé une extension sur un retour dans le passé alternatif. Là, pour le coup, on ne les a pas vus venir sur ce coup-là. Alors, on peut tout à fait ne pas avoir raison sur 2, 3, 4 extensions. Après, celle-là est quand même. Je pense qu'il y a quand même des bases solides qui pourraient valider la théorie. Donc à vous de nous dire, est-ce que, en tout cas j'espère aussi que la vidéo vous servira en plus de la théorie, mais vous servira également pour le rappel de ce qu'est le fléau, de ce qu'est le roi Lich, de la création, des petites incohérences malheureusement aussi parfois qui sont inhérentes au traitement du fléau dans Wrath of the Lich King, parce que c'est une extension qui a proposé beaucoup de choses intéressantes, mais aussi en termes de lore, des énormes incohérences, notamment sur la fin de l'arc. C'est ça, et qui au final, après vous pouvez me donner votre avis, c'est important aussi, c'est pour ça qu'on fait ce genre de format, et c'est important que vous donniez votre avis avec des arguments si possible. Oui, s'il vous plaît, par contre, des arguments. Preuves, ce genre de choses, pas juste votre base subjective. Oui, en mode pas de MDR, sauf que c'est une légende, va réviser. Hein. On préfère quelque chose d'argument. C'est possible, voilà. Parce que c'est le but, c'est d'essayer de vous faire réfléchir sur comment on fait une histoire, comment on avance, et comment on arrive à faire quelque chose de consistant et de cohérent et qui plaît malgré tout. Oui, c'est ça, intéressant et commercial quand même, hein, malgré tout. Exactement. Et que, en espérant que ça vous ait plu, mais n'hésitez pas à en débattre. Ça, moi, je pense que malgré moi, on lira tout sur le sujet. Parce que, on ne répondra peut-être pas à tout, mais en tout cas, on lira, ça c'est sûr. On lira, ça c'est sûr. Et c'est l'occasion pour nous de se terminer. Je m'attendais à ce qu'elle dure plus longtemps. On a réussi à se canaliser, on a été incroyable. Été assez objectif, franchement. Je trouve qu'on s'est bien géré. Ouais, parce que moi je m'attendais à ce qu'on soit pas loin de 1h30, 2h. Et au final, pour le moment, ça va. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre Evanescer sur son Twitter et sur son Twitch, bien entendu. De toute façon, normalement, sa chaîne Twitch. Et de toute façon, je la mettrai dans la description. Mais n'hésitez vraiment pas à le faire. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Eva, c'est aussi la vidéo, alors on avait fait des concepts ensemble, mais c'est vraiment la première vidéo de lore qu'on fait ensemble sur YouTube, et au final c'est aussi un nouveau format, donc est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ce genre de choses sur d'autres thématiques, sur d'autres, tout simplement d'autres thèmes de Warcraft, et c'est encore une fois mettre une voix, alors pas encore un visage mais une voix sur une personne qui m'aide beaucoup sur les vidéos de lore de Warcraft, donc merci encore à toi, d'ailleurs j'en profite pour le dire, merci beaucoup Eva, et n'hésitez pas à le follow, il met plein d'attentes concernant l'histoire de Warcraft, donc vraiment n'hésitez pas à le suivre. J'en profite aussi pour faire de même sur mes réseaux sociaux aussi, Twitter, Facebook et YouTube, YouTube et Twitch bien entendu. Donc merci encore à tous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos de lore et de gameplay aussi. Donc merci à vous et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Tchuss.